Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 7 mars, il est 7h37 à Montréal. J'espère que vous allez bien. Bon, Yves Dereau expose la grossesse de sa servante sur les réseaux sociaux. Bon, tout comme moi, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Moi, je l'ai vue sur Buzz de Star, ma page préférée, la page des Kongossa. On a vu la vidéo là-dessus. Bon, au départ, je pensais que c'était de l'humour, mais avec tout ce qu'elle disait, et puis, bon, comme elle a dit, c'était vraiment sérieux. Donc, on va en parler. Oui, et puis, j'ai vu que tu as exposé, ça dit que la grossesse de cette jeune fille-là, tu en as parlé, et puis j'ai vu que ben, tu lui faisais un interrogatoire, je dirais quand même serré. L'interrogatoire était un peu corsé, ma chérie. Ouais, il faut faire attention. C'est vrai, c'est parce qu'on est en Afrique qu'on se permet ça. Sinon, toi-même, tu sais que. En Occident, tu ne peux pas faire ça. En Occident, quelqu'un qui travaille pour toi, tu découvres qu'elle est enceinte. Ça dit que tu vas analyser est-ce que sa grossesse-là, elle peut garder pour continuer de faire ce travail-là ou bien elle peut arrêter. Voici où tu vas aller. Mais j'ai vu que on a même commencé à demander c'était quand la date, tu es arrivé quand. Bref, on va rentrer dans compter les mois, tout ça là. Ça va un peu à l'encontre de. Ça dit que dans le droit. C'est-à-dire, le droit du travail, c'est comme tu as allé un peu au-dessus de ton pouvoir. Et puis, humainement parlant, même, c'est un peu rabaissant aussi, toujours dans le cadre du travail. Tu n'as pas mal fait, parce que j'ai vu, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est le fait que tu l'aies envoyé sur les réseaux sociaux, tu l'aies exposé. Oui, tu n'as pas mis son visage, mais des gens qui la connaissent tout et tout déjà, ils vont savoir que sa patronne est venue parler de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça. Il y a eu un peu d'abus de pouvoir, ça c'est clair. Ça c'est mon point de vue, rien de méchant. Cependant, je suis très d'accord avec toi. J'aurais même voulu que tu profites dedans même pour faire de la haute sensibilisation, surtout que tu es très suivi tout et tout. Ces filles-là, quand elles viennent là, elles sont enceintes et puis elles ne déclarent pas, il n'y a pas de consultation prénatale, il n'y a rien, elles sont là tout et tout. Oh que oui. Parce que j'ai vu des gens sous cette page-là qui ont dit, mais est-ce qu'elle ne travaille pas pour toi? Est-ce qu'elle ne fait pas bien son travail? Oui, elle fait bien son travail. Monsieur, madame, elle est enceinte, là. Ça lui prend une consultation. Réveillez-vous, c'est ça. Ça lui prend une consultation, un suivi, parce qu'elle est enceinte. C'est ça, c'est ça. Voici les éléments que nous, on vient soulever. Comme je te dis, je suis tellement d'accord avec ta vidéo que. Ça dit, j'aurais voulu que tu le fasses, mais comme dans l'humour, sans vraiment impliquer cette fille-là. Parce que je vais vous donner l'exemple de ma soeur. J'ai ma soeur Maïmaï qui est à Abidjan. Maïmaï a pris une jeune fille qui est chose, comment on appelle ça? Qui est enceinte, tout et tout, elle ne savait pas. Elle ne connaît pas femme enceinte, tout. C'est ma mère qui est du corps médical, qui est venue pour ses soins médicaux, qui constate que, Maïmaï, tu penses que ta servante, là, elle n'est pas enceinte. Maïmaï dit, non, maman, ah, comment elle est enceinte? Elle n'est pas enceinte. Si elle était enceinte, elle va me dire. Elles sont là où ma mère a fait près de 2 à 3 semaines. Un matin, la petite fille est couchée. On sent la toucher. Tantôt, j'ai mal au ventre. Tu as quoi? Non, depuis hier nuit, je n'ai pas bien dormi, j'ai mal au ventre. Maman a fait ça à Maïmaï, je t'ai dit. J'ai dit que c'est là. Viens. Puisque maman est accoucheuse, donc elle est partie la toucher tout et tout. Tenez-vous bien, la jeune fille était enceinte de 7 mois. Le col était comme ça, ouvert. Elle était en train de faire une fausse couche. Aïe! On est au 20 du mois là. Maman et son mari, ils se débrouillent là-bas. Ça là, elle a commencé à pleurer. Ma petite a commencé à pleurer. Mais maman, comment je vais faire? Maman dit, ah, c'est ce qu'elle t'avait dit là. Après, ils vont la prendre pour l'envoyer dans l'hôpital de la région où ils sont à Abidjan, là-bas, près d'Abidjan, là. La fille a commencé à saigner dans le taxi, là, tout et tout. Ils sont arrivés, c'était une fausse couche avec des complications. On dit quoi, quoi là-bas. Comme maman était du corps, là, elle a plaidé là-bas. 60 000 francs CFA est resté là-bas. Comme d'après ma maman, elles n'ont jamais rien. Même si elles ont 1 milliard sur elles, elles ont dit que son dernier argent. Les 60 000 francs qui étaient dans son kissou là, c'est ça qu'elle a pris pour sauver cette petite fille là. Donc vous comprenez qu'il y a de la sensibilisation à faire. Même quand elles sont en début, qu'elles viennent travailler, il faut que elles aient le courage de sensibiliser là-bas pour qu'elles puissent au moins informer qu'elles sont enceintes. Oui, parce que même les GU, les grossesses extra-utérines, c'est des grossesses qui arrivent au début. Donc on ne va pas dire qu'à attendre quand elle va arriver loin. Non, parce que même à 1 mois, 2 mois et demi, ça comporte des risques.
Donc, comme je dis là, j'aimais le fond de ta vidéo, mais c'est juste, c'est parce que c'était lié à une personne physique et puis que tu es venu exposer. Sensibiliser là-bas. Hein? Sensibiliser. Et puis, comme je dis, en tant qu'un employeur, quand tu constates que ta servante est enceinte là, c'est de savoir est-ce que le travail qu'elle fait, ça peut aller avec sa grossesse. C'est là vient le problème, c'est tout. Ouais, c'est sûr que toi, ta servante, Evie, elle était déjà enceinte de 8 mois. Donc, ça veut dire qu'il était peut-être temps qu'elle arrête le travail. Mais ces filles-là aussi, très souvent, elles ne vont pas dire parce que quand vous allez les voir enceintes déjà, vous n'allez pas peut-être les prendre, mais vous n'allez pas les prendre par compte tenu des lourdes tâches qu'elles ont. Puisque là-bas, parmi vous, les femmes là-bas, il y a d'autres femmes même qui ne peuvent même pas se gratter dans vos propres maisons. Sinon, en temps normal, une jeune fille qui est en début, elle peut travailler, elle peut faire son travail qu'elle a fait pourvu qu'on essaie de réduire un peu ses tâches pour dire, bon, compte tenu du fait que tu es enceinte, ce travail-là, il y a des trucs que tu ne dois plus soulever trop lourd. Tu essaies de l'aider et puis le problème se règle. Maintenant, vous allez dire que je la paye et puis elle va être enceinte et puis tant. Mais si tu la payes, on peut essayer de régler dans son salaire pour payer ses consultations prénatales. Moi, c'est surtout le fait qu'elles sont enceintes et puis elles cachent ça dans les maisons alors que ça comporte des risques. Là vient mon analyse. Voilà. Donc, il y a de la sensibilisation à faire. J'ai vu que tu as dit on n'a qu'à faire test de grossesse. Bon, elle est rentrée le premier jour. Tu as fait le test, partagez la vidéo. Tu as fait le test de grossesse, mais 2 ou 3 mois après, si elle est enceinte, est-ce que tu as le contrôle sur ça? Non, on n'a pas de contrôle. Donc, c'est pour ça que ça vous prend de la sensibilisation. Sensibiliser les jeunes filles. Surtout que très souvent, elles ne sont pas allées très loin à l'école, tout et tout. Et puis, surtout que dans ta vidéo, tu as dit que cette jeune fille-là, c'était une récidiviste notoire. Ça fait la deuxième fois qu'elle reproduisait le schéma. Donc, il faut les sensibiliser. Expliquez-leur que oui, vous pouvez, vous qui placez, hein, les placeurs des servantes là-bas, expliquez-leur. Si vous êtes enceinte, il faut nous dire, mettez ça, écrivez ça dans votre... Est-ce que tu es enceinte? Bon, elle peut te dire, non, je ne suis pas enceinte alors qu'elle est enceinte. Mais c'est sûr que quand elles arrivent pour travailler chez vous, faites plus attention. Ouvrez grand les yeux. Vous êtes des femmes, oui, ce n'est pas toutes les femmes qui connaissent les femmes enceintes, mais ouvrez grand les yeux pour comprendre, est-ce qu'elle est enceinte? Si oui, elle est enceinte, est-ce qu'elle est capable de continuer le travail? Si ce partagez la vidéo, partagez, ne restez pas là pour dire, tu as mis casquette blanc-noir sur la robe. C'est ce que j'ai voulu. Ainsi va la vie. Ciao, ciao.